Big Magic est un guide pour vivre une vie créative écrit par Elizabeth Gilbert, l'auteur à succès de Mange, Prie, Aime. Dans ce livre, Gilbert explore la nature de la créativité et offre des idées et des conseils sur la manière de surmonter les peurs et les obstacles qui empêchent souvent les gens de poursuivre leur passion créative. S'appuyant sur ses propres expériences en tant qu'écrivaine, ainsi que sur des anecdotes d'autres artistes et penseurs, Gilbert encourage les lecteurs à embrasser leur curiosité, à suivre leur intuition et à cultiver un sens du jeu et de l'émerveillement dans leurs entreprises créatives. Le livre est divisé en 6 sections, chacune se concentrant sur un aspect différent de la vie créative. Courage. Gilbert souligne l'importance du courage dans le processus créatif. Elle encourage les lecteurs à affronter leurs peurs et leurs doutes de front et à prendre des risques dans la poursuite de leurs objectifs créatifs. Gilbert estime que la peur fait partie intégrante du voyage créatif mais soutient qu'elle ne doit pas empêcher de découvrir son potentiel créatif. Elle partage des anecdotes personnelles sur ses propres luttes avec la peur et le doute de soi et propose des stratégies pratiques pour surmonter ces obstacles. Enchantement. Dans cette section, Gilbert explore l'idée de l'inspiration et de la créativité comme une sorte de force magique qui peut entrer et influencer nos vies. Elle encourage les lecteurs à être ouverts à l'inattendu et à embrasser les mystères du processus créatif. Gilbert croit que la créativité n'est pas seulement le produit de l'effort humain mais est également influencée par des forces externes hors de notre contrôle. Elle encourage les lecteurs à cultiver un sentiment d'émerveillement et d'émerveillement dans leurs entreprises créatives et à aborder leur travail avec un esprit de curiosité et d'exploration. Permission. Gilbert aborde le concept de se donner la permission de poursuivre ses passions créatives sans attendre de validation ou d'approbation externe. Elle soutient que la créativité est un droit de naissance appartenant à tous les êtres humains et que chacun a le droit de s'exprimer créativement. Gilbert encourage les lecteurs à abandonner le perfectionnisme et à embrasser la nature désordonnée et imparfaite de la créativité. Elle met l'accent sur l'importance de la compassion et de l'acceptation de soi dans le processus créatif et encourage les lecteurs à être bienveillants envers eux-mêmes lorsqu'ils se lancent dans leur voyage créatif. Persistance. Dans cette section, Gilbert souligne l'importance de la persévérance et du dévouement dans le processus créatif. Elle encourage les lecteurs à s'engager dans leur pratique créative et à continuer à travailler même face à des revers et des défis. Gilbert estime que la créativité est un voyage de toute une vie et que le succès est souvent le résultat d'un effort constant au fil du temps. Elle partage des histoires d'artistes et d'écrivains célèbres qui ont fait face au rejet et à l'échec mais ont persisté dans leurs entreprises créatives néanmoins. Gilbert encourage les lecteurs à adopter une mentalité de croissance et à voir l'échec comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Confiance. Gilbert discute de l'importance de faire confiance à ses propres instincts créatifs et à son intuition. Elle encourage les lecteurs à écouter leur voix intérieure et à avoir confiance en leur propre vision créative. Gilbert croit que la créativité est un processus profondément personnel et intuitif et que chaque individu a une voix créative unique qui mérite d'être entendue. Elle encourage les lecteurs à se faire confiance et à suivre leurs instincts, même si cela les mène sur des chemins non conventionnels. Gilbert estime que la véritable créativité vient du cœur et encourage les lecteurs à être fidèles à eux-mêmes dans leurs entreprises créatives. Divinité. Dans la dernière section du livre, Gilbert explore l'idée de la créativité comme une sorte de don divin. Elle encourage les lecteurs à aborder leur travail créatif avec respect et gratitude, reconnaissant le caractère sacré du processus créatif. Gilbert estime que la créativité est une pratique spirituelle qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et qu'elle est un moyen de se connecter à l'énergie universelle de la création. Elle encourage les lecteurs à voir leur travail créatif comme une forme d'expression de soi et un moyen de se connecter avec le divin. Dans l'ensemble, Big Magic est un livre inspirant et motivant qui encourage les lecteurs à embrasser leur créativité et à vivre une vie remplie de passion, de curiosité et de joie. C'est une célébration de l'esprit créatif et un rappel que la créativité n'est pas réservée uniquement aux artistes et aux écrivains, mais qu'elle est un aspect fondamental de l'être humain. Thanks for watching. For similar content, please like, share and subscribe.